Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Aujourd'hui, on se retrouve, je ne sais même plus c'est quel épisode, je crois que c'est le 5, je ne sais pas de bêtises, hein. C'est la suite de la vidéo nocturne, souvenez-vous. J'aime bien comme ça parce que ça fait un peu ranch du Texas, tu vois. Bon, bref, on n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, d'abord, dans un premier temps, je vais vous montrer les résultats obtenus. Il y en a eu, ok, il y a eu un petit peu de tout, il y a eu du rat, de la souris, etc. Ensuite, j'ai pris du frolic, on va l'appeler comme ça, j'ai pris croquettes pour chiens. Souvenez-vous, dans les anciens épisodes, j'avais dit qu'on a affaire à une énorme concurrence alimentaire. Donc le but du jeu, c'est de proposer aux rats de la nourriture qui ne peuvent trouver au sein de cette ferme. Donc plutôt tout ce qui est à base de viande. Alors j'avais pensé à des lardons, vous savez, je vous expliquais des lardons, du lard, etc. Je me suis dit, le soleil est enfin sorti dans le nord de la France. Vous moquez pas parce que ça fait 3 semaines qu'il pleut non-stop et j'en ai ras la visière. Alors là, ça fait vraiment du bien. Et je me suis dit, si je commence à mettre des morceaux de lardon très rapidement, il va y avoir des mouches qui vont commencer à pondre dessus, ça va commencer à vite pourrir, etc. Et donc, les rongeurs vont complètement se désintéresser parce que les rongeurs ont du goût, les rats ont du goût. Je vous le dis, ce sont des fins gourmets, ils vont pas bouffer des trucs pourris, vous inquiétez pas. Donc je me suis dit, croquettes pour chiens, parce que j'ai vu dans des commentaires, notamment ceux des abonnés, qu'il y en a certains qui piègent avec des croquettes pour chiens. Je crois même qu'il y en a qui pêchent avec des croquettes pour chiens. Dites-moi si vous êtes pêcheur, apparemment ça marche bien. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur les rats. J'avais déjà constaté, ça c'est mon expérience qui parle, des rongeurs qui s'attaquent à des sacs de croquettes pour chiens. Donc j'ai acheté une bricole, je vous montrerai après, j'ai acheté un truc à 3 balles, bon bref, on s'en fout. On va commencer par les résultats. Alors, je vais vous afficher les photos ici, parce que j'ai quelqu'un sur place qui m'envoie régulièrement des photos et qui remet en place les pièges, etc., de manière journalière. Donc, je vous affiche des photos. Donc là, on voit très clairement un bon rat adulte. On va enchaîner avec, après les 2-3 photos suivantes, là, je fais défiler. Hein. On a également de la souris plutôt type mulot. Les mulots, ils sont pas fut-fut, hein, franchement, c'est hyper simple à choper les mulots. Et également, on termine également par un autre gros rat. Donc, il y a quand même, les gros rats commencent à se faire choper. C'est bien, ça commence à apporter ses fruits. Et on verra avec Frolic si ça marche bien. Alors, je vais remettre en place, à l'intérieur des caméras, je vais les remettre en fonction, je vais remettre les cartes SD. Parce que forcément, j'ai dû les prendre avec moi pour mettre les vidéos sur l'ordinateur pour pouvoir vous montrer sur YouTube. Donc là, je vais mettre les cartes SD, on va remettre ça en place. Et sur toutes les tapettes là, on va claquer du frolic. Alors, on va retourner à la voiture, on va choper le sac et en avant Guingamp. Eh, regarde ça, hein. Là, je t'ai pris du frolic là. Voilà, 55% de protéines animales, 45% de protéines végétales. Ah ouais, ouais, bah, comme ça. Bon, ça sera pas vegan. Bon, on s'en fout, les rats ne sont pas vegan et ils s'en tapent complètement. Allez, on va prendre également, j'ai pris aussi cette plaque de glu, ok, parce que dans la dernière vidéo, je vous avais montré, il y a un endroit où on va pouvoir la placer en toute sécurité. Je vais vous montrer comment ça s'utilise. Bon, pas entre nous, hein. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour manipuler ça. Néanmoins, je vais vous montrer quand même, parce que des fois, j'ai des retours, il y a des personnes qui me font des trucs quand même assez incroyables. Alors, notre coin, il était ici, si je me rappelle. Voilà, hop. Souvenez-vous, c'est dans cette zone-là. Là-bas. Ce petit coin là-bas. Allez, on va voir ça. Alors. Bon, j'espère vraiment qu'avec les croquettes, on aura peut-être un peu plus de succès. C'est très difficile de faire des prédictions là-dessus. Alors. Déjà, est-ce que mon espace est bon? Est-ce que je vais réussir à la mettre? Là, ça va être compliqué en fait. Hein. Je peux pas. Je peux la mettre que au-dessus, tu vois. Un peu plus loin là-bas. Ah, si, ça va le faire quand même. Mais par contre, si notre rat passe en dessous, on est marron. Bon, ça s'ouvre comme ça. Bon, c'est des plaques toutes prêtes. Hein, si vous voulez pas vous embêter. Alors, c'est un dispositif que je n'apprécie pas trop. Ok, hein, ça vous le savez, je l'avais dit plein de fois. Parce que il va sans dire que. Point de vue cruauté animale, je suis conscient que c'est vraiment... Bon, je pense que c'est amené à disparaître, ce truc-là. Il y a certains pays européens qui ont déjà interdit cet usage. Pas encore en France, mais selon moi, on va y arriver, c'est évident. Mais c'est vrai qu'il y a quand même mieux. Hein. Voilà, les tapettes, au moins, ça provoque une mort beaucoup plus rapide. Là, c'est lent, quoi. C'est lent. Hop. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. Et il y en a deux, OK. Ça colle fort et on a une base qui est... cartonné voire en bois, voilà, beaucoup plus solide, ça permet de, déjà point de vue stabilité c'est mieux, et également une fois que le rat est collé dessus, ça évite qu'il se barre un peu, alors il pourra peut-être la pousser un peu, hein, voyez, mais bon, contrairement, c'est pas une feuille de papier non plus. Alors,
on va la positionner. Alors, comment va-t-on faire ? J'aurais dû prendre le... Je sais pas pourquoi j'ai pas pris le tube des bélos et j'en aurais fait un avec un carton. Parce qu'à mon avis, le roi, il va nous passer en dessous, là, c'est indien. On va quand même la positionner. Voilà, c'est le plus impossible. Voilà, pour que ça bouge pas. Voilà, écoutez, on va la mettre là. Voilà, elle est bien au fond. À l'abri de nos amis les oiseaux. Au moins, ça, c'est bon. Voilà. Bon, écoutez, on verra. On verra bien, à mon avis. S'il passe en dessous... bon, du coup, je prendrai de la colle de type débello que je ferai sur un petit carton. Au moins, ça permet de choisir les dimensions. Il va sans dire que ce type de piège à glu, il est évident, mais je préfère le dire qu'il est strictement interdit. C'est prohibé. Le premier que je vois faire ça, attention, il prend une fessée. C'est strictement interdit. Nous n'avons pas le droit, et vous n'avez pas le droit, d'utiliser des pièges à glu en extérieur, d'accord ? Alors, vous allez me dire, ouais, mais ce que tu as fait, c'est en extérieur. Oui, mais... on considère quand même que là, ça fait partie plutôt de l'intérieur. Ce que je ne veux pas, c'est par exemple, vous positionner là, vous voyez ? Là, vous le mettez là, vous mettez votre piège à glu ici. Strictement interdit. Vous allez peut-être potentiellement choper du chat. Voilà, choper du chat. Et également choper des oiseaux. Et là, les oiseaux, faut faire gaffe avec ça. Regardez, ah ben, y en a un qui vient de passer au-dessus de moi. Je dis oiseau, il y en a un qui passe. Ah, il fait beau aujourd'hui, c'est appréciable. Regardez ça. Une boule de feu dans le ciel, là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Bon, maintenant, on va passer au frolic. Frolic. Il est là. Allez, on va se diriger vers les pièges et on va positionner ça tranquillement. Bah là, tu vois, je viens juste d'éteindre la caméra. Là, je la rallume parce que j'ai levé la tête et again. Il y a un indien qui vient ici. Un indien, c'est un roi. Il y a un indien qui vient ici, là. Il est venu poser son bordel ici, l'épi de maïs. Il est venu complètement bouffer toutes les graines. C'est des malins, tiens, il y en a un qui squatte là. Ils sont forts. Je les respecte énormément. Il fait tellement bon que j'ai fait tomber la veste, carrément. Bon, on va commencer par ce coin-là. Le coin des jeunes rebelles, à mon avis, il aurait pu en rester des masses parce qu'on en a chopé déjà deux gros dans cette zone-là. À mon avis, déjà, je peux vous annoncer que ça rigole moins, très clairement. Mais on va en mettre quand même, on est sûr de rien. Alors, j'ai un piège là-bas, donc on va mettre nos froliques. Je vais l'appeler comme ça, allez. Croquette pour chien. Alors, tiens, je vais me poser là 2 minutes. Ah. Ouf. Allez, on va ouvrir ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? En tout cas, bon, je l'ai ouvert et j'ai envie de dire forcément, ce qui est intéressant dans les croquettes pour chien, c'est qu'il y a vraiment une odeur. Ça se sent de loin et c'est quand même, je sais pas si c'est attirant. Moi, je trouve que ça sent pas mauvais. Franchement, hein. Même je dirais que ça sent bon ces trucs-là. Bon, j'irai pas jusqu'à en manger non plus, mais ça sent bon. Et ça me rappelle terriblement une usine que j'ai fait dans le Nord. Je ne vais pas citer l'usine, mais c'est une célèbre marque de nourriture pour chiens, croquettes, etc. Et pour chats aussi. Et c'est vrai que l'odeur autour de cette usine-là, ça sentait. Alors à chaque fois, je me disais, putain, les gens, les voisins qui habitent là, l'odeur. Même quand j'allais à l'intérieur de l'usine, parce que vous savez que pour tout ce qui est, dès lors que vous produisez de l'alimentaire, vous devez systématiquement faire une sorte de contrat, un contrat de prestation de lutte contre les nuisibles. Alors même s'il n'y en a pas, voilà, c'est uniquement préventif. Donc là, il faut le faire. Et je me souviens que quand j'y allais, je passais la journée là-dedans tellement c'était immense, je revenais le soir chez moi, mais même mes vêtements, ils sentaient la croquette pour chien, c'était un truc de dingue. Même mes cheveux et tout, enfin bref, il fallait aller directement à la douche. Bon, excusez-moi pour cette petite aparté de mon expérience professionnelle, c'est nostalgique quand tu nous tiens. Alors, bon, vous voyez, alors il y a beaucoup de... Ah, ça c'est le monsieur qui gère sur place, il a mis un peu de graines de maïs, etc. On va essayer. Attention, il faut tenter. Qu'est-ce qu'on a à perdre, franchement, hein, les copains ? Il y a rien à perdre, bon, on s'en fout. Hop, ça marche, c'est bien, ça marche pas. Bon, bah écoute, c'est pas la fin du monde. Hop, alors, je vais essayer de viser ça. Je sais pas me faire claquer le doigt. Voilà. Et on va faire un petit truc. Voilà, j'en ai mis là, juste là au centre, voilà. Et volontairement, ce qu'on va faire, souvenez-vous de la célèbre technique que j'avais mise au point après des années d'études. La technique que j'ai appelée... la technique de l'ami fourbe, souvenez-vous, c'est un nouvel aliment. Les rats ici, dans ce secteur, n'ont pas l'habitude de consommer ce type de produit. Donc ils peuvent être méfiants, d'accord ? C'est normal, c'est nouveau, c'est méfiant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que volontairement, je prends une croquette et je vais la balancer là-bas. Je vais en mettre deux. On va en mettre deux parce qu'on est généreux. Hop, voilà. Je vais en mettre deux. Hop, voilà.
L'objectif, c'est que le rat va déguster les croquettes et il se dit « Mais mon Dieu, mais c'est délicieux, c'est incroyable, c'est super bon !» Donc je vais continuer. Et là, il peut se faire prendre au piège, d'accord ? Il faut y aller doucement, tranquillement. Et on va répéter cette opération dans cette zone où il y a plusieurs pièges. J'ai laissé la caméra volontairement. Je vais également remettre une carte SD dedans afin de pouvoir filmer, voir si nos amis froliquent. C'est intéressant ou pas ? Là, il y a mis beaucoup... Alors attends. Il nous a mis trop de pièges d'un coup. Là. Il y a trop de pièges. Une, deux, trois, une boîte là, il y a trop de pièges. On va en enlever. Allez, c'est parti. Pff, j'ai galéré, il faut vraiment plonger là-dedans, là, c'est une misère. Mais j'ai récupéré la caméra, les tapettes. Allez, on va claquer ça là. Alors, j'en vais encore un peu de beurre de cacahuète qu'on avait mis au tout début. Donc là, je vais placer une croquette. Et en plus, ce qui est intéressant là, attends, je vais la désarmer parce que là, je vais me prendre dans les doigts. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le beurre de cacahuète, ça va servir de... Je trouve pas le terme exact. De... Putain, je suis nul. En gros, ça va aider à le maintenir encore plus, quoi. Voilà, ça va le coller. C'est ça, on va dire que ça va le coller. Hop, voilà, là, on est bien. Je vais armer mon piège. Il faut que je replonge dedans, positionner ça. Et ça sera bon pour l'armée, hein, vous connaissez. Là, c'est ce qu'on appelle le chien, ok ? Voilà, il faut que le chien passe au-dessus. Je vais aider quand c'est difficile, là, quand il y a beaucoup de poids. Je vais aider en soulevant là. Et puis comme un vrai, véritable miracle, j'arrive à l'armer, voilà. Je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à armer les tapettes. Voilà, ça marche pas ton truc, là, ça marche pas, j'appuie, ça va pas. Calme, faut se calmer doucement, voilà, si ça marche pas, c'est un mécanisme. Là, le chien passe au-dessus. Si ça bloque un petit peu, je viens aider avec mon doigt, ça passe au-dessus. Et merci, au revoir, c'est fait. Allez, on positionne ça. Voilà, les pièges ici sont faits. Néanmoins, avant de quitter cette zone, technique de l'ami toujours. Hop, là-bas, une petite poignée de délicieuses petites croquettes pour chien. Voilà, dans cette zone-là, je place la caméra. Et pour cette zone, c'est fait. On verra bien ce que ça donne. Bon, nous quittons la zone des jeunes rebelles. Des jeunes prépubères en période d'adolescence qui font les rebelles. On va se calmer, on va les calmer vite fait. On va partir dans le hangar là-bas. Et souvenez-vous, là-bas, dans la dernière vidéo, là, il était presque à y aller, hein, cet indien aussi, là. Il a failli y aller, mais il n'y est pas été. Voilà, il est assez malin. Donc là, on va positionner également des croquettes pour chiens. La caméra, je vais la remettre en action aussi. Et on va pouvoir terminer aussi par la mise en place d'un piège. Le piège de type Safe Trap. C'est le piège multi-coup automatique. Je me dis pourquoi pas, après tout, ça ne mange pas de pain. Même chose pour cette zone-là. Hop. Là. Vous m'avez bien fait rire dans les commentaires. Là. C'était que ça. Oh, il y en avait un, il était génial. Souvenez-vous, j'avais dit, il y avait quelqu'un à la base qui m'avait dit. Il m'avait dit, tu mets deux chats, un chien, et c'est réglé. Et il y a un abonné, j'étais mort de rire devant mon PC. Il a réenchéri en mettant du style une réflexion de type deux pigeons, un flamant rouge et c'est réglé. Il m'a bien fait rire celui-là. Et pour la vision, pour la caméra, à vision, non, la caméra vision nocturne, n'importe quoi. L'intervention que j'avais fait de nuit, voilà, donc nocturne. Certains d'entre vous m'ont dit, ouais, viens avec un fusil et tout machin. Je le répète, légalement, je ne peux pas faire cela. D'accord, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas me positionner ici. Par exemple, vous voyez, il y a des bovins. Je ne peux pas m'allonger. J'aimerais bien, hein, ça ne me dérangerait pas. Je me mets là, tu vois. Je me mets là, je me camoufle, je prends un fusil avec une lunette, machin. On n'a pas le droit, vous ne vous rendez pas compte. Même si c'est une carabine, on appelle ça les carabines à billes, tu vois, à faible joule, etc. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On n'est pas aux States, les gars. Aux États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Il y a même un intrus qui vient, il se prend un coup de fusil à pompe. C'est légal. Ici, en France, on ne peut pas. La réglementation est stricte. Ici, c'est tout bête, hein, mais bon, il y a peu de chances que ça arrive. Mais bon, imagine, je tire sur un bovin ou un truc comme ça. Bon, ça m'étonnerait, vu la taille des bestiaux, ils ne vont pas mourir. Mais bon, on va éviter. Et même dans le cadre légal, je ne peux pas. Et imaginez-vous, la nuit, je me balade en camionnette ici. C'est la campagne, hein. Je me balade, hop, fusil sur le dans la camionnette, je me fais arrêter par les gendarmes. Vous faites quoi, monsieur, là ? Un braquage, vous faites ? Ben, vous voyez, on est en France, les mecs. Je sais que c'est très frustrant, on n'est pas aux États-Unis. Voilà. Bon, on va repartir. Ah, ça, il faut le dire, parce que à chaque fois, j'en ai... Pourquoi tu fais pas ci ? Pourquoi tu fais pas ça ? Parce que
Je suis un professionnel et j'ai des contraintes légales. Voilà, tout simplement. Et il y avait un autre truc aussi, c'était assez marrant, c'était... Attends, ça va me revenir. C'est bon, ça m'est revenu. C'était l'histoire du furet et des chiens. Alors oui, ça marche super bien. Il y a même des entreprises spécialisées qui font ça. Ça marche super bien. Là-dessus, rien à dire. En plus, c'est bio. Le résultat est immédiat. Ça permet de dégommer du rat à grande échelle et rapidement. C'est génial. Ici, on ne peut pas le faire. Je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Ou alors, si un de mes confrères qui voit cette vidéo, qui est spécialisé dans le furetage, etc., s'il veut venir, pourquoi pas, hein, tu vois, il veut venir m'aider, il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que quand on utilise un furet, le furet, il fait quoi ? Son boulot, c'est de rentrer dans le terrier, faire peur, entre guillemets, au rat, voire le choper, s'il y parvient. Le rat sort, le chien l'attend, boum, le chien le croque. C'est ça la stratégie, c'est un travail d'équipe. Le problème ici, c'est que... Ils sont où les terriers, là ? Oui ? Ils sont où ? Dites-moi. On voit pas. Allez, là-bas, et encore là-bas, c'est même pas un terrier, en fait. Il a gratté juste pour passer. Mais concrètement, ici, il n'y a pas de terrier. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de terrier. Vous savez où ils sont ? Si, il y en avait un dans l'autre, là. On l'avait vu la nuit. Lui, il y a un terrier. Ouais, il y en a un. Mais sinon, je vous dis, ils sont en dessous, là. En dessous des pneus, tout le bordel, là. C'est pas possible, ton furet. Tu veux passer où, là ? Tu veux faire quoi ? Cherchez pas, il n'y a pas. On peut pas. Allez, je vais vous montrer le safe trap. On va le mettre en place aussi. Et je pense que ce sera en fonction des résultats. Je pense que ce sera la dernière intervention au point de vue piégeage. On passera au produit raticide, sécurisé bien évidemment. Mais je pense qu'on va être confronté au même problème. Hein. C'est-à-dire que les appareils raticides, c'est du poison. Pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils soient consommés par les rats. Or, ici, concurrence alimentaire, est-ce qu'ils ne vont pas préférer manger le maïs plutôt que les produits raticides ? C'est toujours le même délire. Hein. C'est ça qui est embêtant. Hop. Allez, je vous montre ça. Là, il est là. Il est là, mon safe trap. On va le placer, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Voilà, bon, il y a même un petit livret dedans. C'est bien. Petit livret d'explication, là. Mais bon, nous, on sait, donc vraiment, ça va. C'est un piège multicoup, ok, qui fonctionne avec une gaz de CO2. Bon, de toute façon, je vais vous l'installer, et puis vous allez comprendre. Les images, des fois, permettent de mieux comprendre. Bon, voilà, en gros, là, mon piège, il est prêt. J'ai inséré une cartouche de CO2, ok, et ici, à l'intérieur, il y a des appâts. Et qu'est-ce que j'ai mis ? Bien évidemment. Croquette pour chien, parce que c'est le thème de la vidéo. Hein, donc, vous pouvez également le mettre sur un support, comme ça. Okay, donc, visuellement, ça ressemble à ça. Tu vois. Voilà, visuellement, ça ressemble à ça. Or, moi, je ne vais pas le mettre comme ça, parce que je vais le mettre dans un... Je sais où je vais le mettre, dans un endroit assez étroit. Donc, il ne risque de pas passer. Moi, je vais l'utiliser de cette manière-là, pour que le rat rentre ici et se fasse gauler. Alors, on va le déclencher, pour que je vous montre un peu à quoi... Comment ça marche, en fait. Hop. Alors, je vais le poser là. Je vais prendre un bâton parce que je vais pas le faire. Avec mon doigt, c'est évident, parce que vous allez comprendre. Bon, avec un bon morceau de bois, voilà, ça va le faire comme ça. Hop, alors, je vous pose ici. Ok, bon. À cet instant, mesdames et messieurs, vous êtes un rat. Vous voyez ça, vous vous dites, bon, ça a pas l'air d'être dangereux. Par contre, il y a une bonne odeur là, tout au fond, là, ça sent. Les croquettes pour chiens, ça a l'air d'être super bon. Donc, vous allez peut-être faire d'abord le tour, mais il n'y a pas moyen. Vous ne pouvez pas accéder aux croquettes. Il faut impérativement passer par ici. Et ici, là, je ne sais pas ce que vous voyez, il y a une tige en fer. Une petite tige en fer qui traverse comme ça. Donc, dès lors que vous allez passer votre museau pour essayer de choper une croquette, vous allez vous faire éclater la gueule. C'est-à-dire, en image, ça donne ça. Boum. Ouf. Oui, vous voyez, c'est net. Hein. C'est net. Voilà, votre tête, elle est là. Alors, ok. Ciao, ça dégage. Hop, je vais nettoyer un petit peu. Voilà, et ça... C'est, on va dire que ça fonctionne avec une cartouche de CO2 pour ça permet de délivrer la pression, ok, qui dégage le piston. Je pense, hein, je ne dis pas de bêtises, normalement je crois que c'est du 15 coups. C'est du 15 coups, et puis après, bien évidemment, ça vous l'enlevez, vous en mettez une autre, ok, hein, voilà. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser. C'est pour ça qu'on appelle ça un piège à multi-coups. Ensuite, une fois que le rat est mort, son cadavre est ici, ok. Alors, il y a deux solutions. Soit vous l'enlevez manuellement, vous y allez, hein, voilà, vous mettez vos mains dedans. Soit, si vous êtes dans un endroit où... Voilà, en pleine campagne, etc. Il est fort probable qu'un rapace vient s'en charger ou un chat domestique, un chat errant, etc. le prend, se barre. Alors, pour savoir si ça a tapé ou pas, ici, il y a un petit truc, vous voyez, il y a le logo
Wi-Fi, le logo Wi-Fi. Et bien en fait, vous téléchargez une application mobile et ensuite vous venez placer votre mobile directement en contact, comme lorsque vous payez sans contact avec votre carte bancaire. Vous faites ça, tout, hop, et il va vous informer le nombre de coups que ça a tiré avec l'heure, etc. Comme ça, vous allez comprendre si vous allez choper ou pas. Bon, bref, ça, moi, j'espère que mes explications, je pense, sont claires. Alors moi, j'ai envie de les mettre là. Ça, c'est parfait ici. Tu vois, donc ça, la commodo, je vais la virer. Voilà, on va foutre ailleurs, tant pis. Mais là, moi j'ai bien envie de le mettre comme ça, tu vois. Hop, alors, il y a un support et vous pouvez le positionner comme ça. À la base, ça se met comme ça, ok. Et moi là, je fais une variante, ok. Moi je vais le mettre comme ça. En plus, là, il n'y a pas de danger pour les oiseaux, ça ne viendra pas là. Et en plus, bah, l'endroit est fait pour ça. J'ai franchement là, voilà, là c'est vraiment top. Top, 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 top. Là, on est bien. Là, il est très très bien. On va le laisser là. Voilà, cet endroit est fait pour ce piège. Donc, on verra bien ce que ça donne aussi. Bon, bah allez, c'est bon. Il est midi, on va aller manger. Je pense que on a fait le tour. C'est tout bon. On va laisser encore une petite semaine et on verra bien si le piégeage porte ses fruits. Le piégeage par le biais de délicieuses petites croquettes moitié normales, moitié vegan. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Laissez-moi en commentaire si vous avez des idées, sauf des idées tordues. Hein, commencez pas à me dire balance des grenades et tout ça. Des idées que je peux réaliser dans un cadre légal. Voilà, c'est gentil, j'ai le nez qui coule à chaque fois. Ça vous arrive pas à chaque fois que vous avez vos mains prises ou gantées, ça vous gratte le nez. C'est psychologique, c'est incroyable. Bon. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus. Allez, ciao tout le monde!